commandant Mason pour le sergent Woods. Je suis là, gamin. Tout va bien. On a mis du temps. Je commençais à croire que tu reviendrais pas. Qu'est-ce que je foutais là-bas ? Les morts souffrent pas. C'est pour ça qu'on est toujours. Tu vas souffrir avec moi. Tu fais partie de son plan. Ça fait 30 ans qu'il travaille dessus, et il compte sur toi pour essayer de l'arrêter. Attends un peu. Franck, t'as des infos? Tu te souviens du pendentif? Il a disparu. À ton avis, tu crois qu'il a foutu le camp tout seul? Ce type, il a tout prévu, il sait exactement ce que tu vas faire. Il va tuer 20 millions de personnes, peut-être même plus. Comme si ça pouvait la ramener. Ça, c'est pour sa sœur. Il a tué mon père pour te faire payer. Ouais, c'est bien ça. C'est jamais simple avec lui. Hey ! Qu'est-ce qui s'est passé au Panama ? J'étais sûr qu'on l'avait eu au Nicaragua. Et un an plus tard, il refait surface au Panama avec ce fumier de Noriega. C'était la goutte d'eau qui fait déborder le vase. La CIA décide d'en finir et donne l'ordre de le capturer. Alors ton père et moi, on y est allés. Une sacrée merde. Mason? Woods? Content de te voir, Franck. Moi aussi, Alex. Passer par derrière. Elle est vraiment furax. Famille, je croyais qu'on parlait de demain, là. C'est pas le seul problème, Marc. J'ai besoin de faire autre chose de ma vie. De passer mon temps à t'attendre en me demandant dans quel trou paumé tu vas nous traîner la prochaine fois. Allez, Franck. Salut les gars. Salut McKnight. T'as le matos? Ouais, le sac de sport dans la remise. Ta femme a pas l'air très contente. T'as pas été lui parler de l'invasion au moins? Non. Et apparemment, je suis bien le seul. Elle l'a su par la femme de Jacob, celle de Steve et de Bill. J'ai eu l'air de quoi, moi, hein? Qu'est-ce qu'on attend pour buter ce connard? Hein? Après la merde qu'il a foutue au Nicaragua? Les boss en ont marre de ces conneries, mais ils le veulent vivant. Hein? Ça me plaît pas du tout. Bon. Manuel Noriega. Maintenant appelé Objectif Faux Profit. C'est une mission de capture et de dénigrement. On doit détruire sa réputation et limiter les risques de soulèvement en son nom. L'invasion permettra de faire diversion, et on pourra envoyer les cils. Alors on est prêt. Ouais. Venez, je vous raccompagne. Ils ont tout fait pour. Je me suis permis de jeter un coup d'œil à tes anciens dossiers de service. Toutes ces conneries avec les nombres. Les soviets t'ont vraiment mis des trucs dans le crâne? Ils ont tout fait pour. Les America! Mais merde! Les gosses, McKnight, ça vaut pas le coup. Ouais, je sais, t'as raison. Bienvenue au Panama, les gars. Une mission bien planifiée. Insertion propre arrivée par la mer. Le seul truc qui clochait, c'était Hudson, qui menait l'opération par radio. J'avais un pressentiment, dès le début. Je sais pas. Je savais qu'il y avait un truc bizarre. Mais je l'ai ignoré. Hudson, ici Mason. Le bombardement a commencé en avance. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans 10 secondes.
Hudson, tu me reçois? Pas de réponse. Continue comme prévu. McKnight, ici Mason. Yeah. Les SEAL vont sécuriser l'aérodrome et le QG de la FDP pour empêcher faux profit de filer. Je vous couvrirai depuis le bâtiment 12 à l'extérieur du secteur. Hudson n'avait pas annulé ce plan. Si c'est le cas, je suis pas au courant. Bonne chance, Mason. Terminé. Vas-y, Woods. On va vous couvrir. Cessez le feu pendant qu'on sécurise les toits. Merde, la radio déconne encore. Attention, à gauche! Ok, vous. Je vais vous couvrir. Occupez-vous de soutenir les cibles. Équipe Golf, ici Mason, en position. Le toit est nettoyé. Surveillez vos tirs, on entre par la verrière.
Hudson, c'est Hudson. Bordel, mais t'étais où? Hudson. On nous a confirmé la position de l'objectif au profil. Hôtel Adelina, chambre 225. Capturez-le. Terminé. Cible en visuel. Je vois plusieurs ennemis autour de l'hôtel. Laissez-moi faire. Sauter la cervelle. Qu'est-ce que vous faites? On enterre votre réputation. Vous faites erreur. Appelez votre chef. Assieds-toi et ferme-la. Hudson, ici Mason. Je t'écoute, Mason. On a faux profit. On va l'évacuer. Négatif. Vous avez de nouveaux ordres. Faux profit a des informations sur une cible Nexus prioritaire. Vous allez l'escorter à un autre endroit comme VIP pour échange de prisonniers. VIP, mon cul. Cible Nexus? Qui peut être plus important que ce connard? J'aime pas ça non plus, mais on a des instructions. On a déjà perdu du temps. Il a même des contacts. Putain de Kravchenko! Tu te souviens de ce qu'il a dit en Afghanistan? Il y a quelque chose de pas net là-dedans, Woods. C'est une mission de capture. Et là, ce connard Hudson nous annonce qu'on n'est plus là pour capturer Noriega. C'est un échange. Contre un autre prisonnier. Ouais, c'est là que j'aurais dû tilter. À ce moment précis, j'aurais dû comprendre à ce moment-là. Bordel de merde, j'ai été trop con, je te jure. T'énerve pas. T'énerve pas. Enfoiré d'Hudson. J'aurais dû le buter au Vietnam. Ces enfoirés traitent pas mieux les civils qu'au Nicaragua. Ils ont l'air complètement défoncés. Liquide-les. Je vais surveiller notre colis. Restez pas là! Rentrez chez vous et ne bougez pas! Mason, le VIP est toujours avec vous? Affirmatif. Allez au point de contrôle derrière le bidonville. On vous indiquera où l'échange des prisonniers aura lieu. C'est un endroit dangereux. Je dois être capable de me défendre. Donnez-moi une arme. Donne-lui ce qu'il demande, Mason. C'est un ordre. Terminé. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez demandé une arme. Vous n'avez pas parlé de munitions. Il vaut mieux pour nous tous que personne ne vous reconnaisse. Allez, en route! Woods, passe devant. Moi, je surveille Noriega. Les forces américaines sont entrées dans la ville! L'invasion se propage! Aguez-vous, espèce de sale bitch, je suis.
fourgon. Je le vois. Cinglé, ce con. C'est par où? Ordure. Faut qu'on passe par le parc au milieu de la ville. Le parc est sur la droite. Alliez trois portes, cessez le feu. La merde, c'est pas possible! C'était pas beaucoup mieux avant le raid. Hudson, ici Mason. On est presque au point de contrôle. Plus que quelques blocs. Hudson! Chier. Je sais pas pourquoi les transmissions des Conwoods. T'en fais pas, Mason! Y'a toujours des problèmes techniques! Chut, c'était quoi ça? Ouais. Elle agonise, Mason. Yeah!
n'aurait pas dû laisser en liberté. Allez en enfer! L'enfer, on connaît déjà. Bouge, trois pas aériens imminents! Qui est arrivé. Génial. J'ai hâte de pouvoir profiter de cette soirée. Oh, ouais. Mason. Mason, vous étiez passé, putain. Vous êtes au point de contrôle ? Messieurs, votre transport est prêt à partir. Par ici, monsieur. Le VIP est toujours avec vous ? Ouais. Mais c'est qui cette cible Nexus ? Qu'est-ce qui est plus important que l'objectif faux profit ? Il faut me faire confiance, Mason. Il le faut. Terminé. Il m'est arrivé de douter d'un ordre, mais jamais des raisons. On prend soin de son unité. On ramène ses gars au bercail. Je connais ça, Franck. Ben, c'est pas comme ça. Le commandement est foireux. Je suis un soldat. Je reçois des ordres, et je fais mon boulot. Wood, t'es en position. Mason est déjà en position. Je vais vers le toit du bâtiment sud. Sur le bâtiment ouest, quelques dégâts sur toute la cour. Radio, mais... Par là, tout est en place. Personne doit savoir que je l'ai trahi. Qui ? Hudson, qui est la cible Nexus ? Hudson ! C'est lui, Woods. La cible Nexus, c'est Raoul Menendez. T'aurais dû nous le dire, Hudson. T'aurais dû nous le dire. Nous sommes prêts. Amenez-le. Ils sont en train de sortir, ce fils de pute. On confirme la cible. Il a même des contacts de la CIA. Faut en finir, Woods. Tu dois le tuer. Savoir ce qui vous réjouit comme ça. Vous savez bien ce qui se passe ? Il se passe quoi ici ? Yeah!
Votre ami Alex Mason est mort. Et c'est votre faute. Vous comprenez pourquoi ? Il allait abattre David. Vous devez souffrir comme moi j'ai souffert ! Un autre doit mourir. Vous, Woods, ou David. Vous avez 10 secondes pour décider où tout le monde y passe. Woods, je peux pas. J'ai 2 enfants et... Merde. Moi. Allez. Tuez-moi ! Mort ! Votre vie sera hantée parce que vous avez perdu. Et alors, enfin, vous pourrez comprendre ce que vous m'avez fait subir. Je ne vais pas te tuer, petit. Mais comme Woods, tu vas souffrir avec moi. Et un beau jour, tu reverras ce pendentif. Et tu te souviendras de tout ce qui s'est passé ce soir. Tu te rappelleras ces années de colère et de douleur. Et à ce moment-là, David, viens. Retrouve-moi. Papa! Non! Papa! T'aurais rien pu faire, Franck. C'était pas ta faute. Ton père et moi, on était les meilleurs. Et on n'a pas pu l'arrêter. Les temps ont changé, Franck. On va la voir. Vous avez réussi ? C'est bon. Super, beau boulot. Attendez, vous ne comprenez pas. Juste avant de quitter Tacitus, j'ai créé un worm de Solarium capable de décrypter n'importe quoi. Les systèmes quantiques sont vraiment coriaces. Même pour moi. Le réseau de Menendez. Tous les pays touchés par cette nouvelle guerre froide. Attendez un peu. New York. Washington. Le Pentagone. Shanghai. Pékin. Hong Kong. Menendez va attaquer l'Amérique et la Chine. Il veut éliminer les 2 puissances en même temps. Ces fichiers ont tous le même préfixe, 619. 619. C'est pas vrai. Le 19 juin, c'est... C'est demain. 19 juin. Le jour de la liberté. L'abolition de l'esclavage. Le fils de pute. Appelle Briggs. La cyberattaque est pour le 19 juin, demain. Il faut se rendre au Yémen tout de suite. Non, vous devez aller là-bas et capturer Menendez pour qu'on l'interroge. C'est un piège. Contactez Farid et la milice yéménite. On a besoin d'eux. Amiral, c'est un piège. Menendez nous manipule depuis le début. Si on va au Yémen, on fait exactement ce qu'il attend de nous. Allez préparer votre équipe. Vous avez 2 heures. Connexion interne établie. Je te reçois, Harper. Le suivi BFT et HS. On peut pas repérer les alliés. Alors quoi qu'il arrive, quand les balles commenceront à fuser, il faut pas que tu grilles ta couverture. T'inquiète pas, ça va aller.
on est presque prêt. Tout est prêt. Oui. Les Américains sont en route, Farid. Il y a un traître parmi nous. Comment ? Et qui ? Aucune importance. J'ai un tour d'avance sur lui. Cordestier attend vos ordres. Ils attendent leur liberté. Et ils l'auront bientôt.
Fort Menendez. Des Américains, Farid. Bien sûr, Menendez. On doit vous emmener en lieu sûr. On a perdu beaucoup d'hommes. La victoire ne se mesure pas en perte, Farid. Farid, toujours là ? On va les toucher ! On va s'écraser ! Pourquoi ?
Kraken, ici Linebacker 2. J'engage les unités ennemies qui se trouvent sur ma route. Transmettez les images du site de crash vers mon ATH. Kraken, on a trouvé MMT. On va le capturer. L'enfoiré se dirige vers la citadelle. Salazar demande une évac sanitaire. Faut ramener Harper à l'Obama. Ici Salazar en liaison d'urgence. Plusieurs hommes à terre. Demandons Evasan d'urgence. Zeta Sparrow. Kraken, je dois prendre le contrôle de la flotte de drones pour soutenir la capture de Menendez. Je vous transmets les codes. Les drones suivront maintenant votre objectif. Système de visée. Commande manuelle activée. Liaison à l'ATH établie. On se sépare, prends de la hauteur! Les ennemis sont partout dans la rue! Tu vas à gauche, je prends sur la droite! Se dirige vers la citadelle. Envoyez toutes les unités disponibles dans la zone. Établissez un périmètre pour bloquer sa fuite. Unité de surveillance, que pouvez-vous me dire sur la position de Menendez? Les forces ennemies ont établi un périmètre défensif autour de la citadelle. Le VIP semble être dans les paves de la dame de commandement. Il utilise sa mitrailleuse pour nous repousser. Surveillez-le, mais n'ouvrez pas le feu. On le veut vivant. Sans les drones, on n'aura rien pour couvrir notre progression. On vous envoie une équipe de confinement en renfort. Ils arrivent en hélico, regroupez-vous sur le pont. Merci. Terminé.
pas de la capture. Encerclez la dame. Attendez le signal. On bouge. Le Premier ministre Chen nous a promis le soutien de l'armée chinoise pour les opérations sur les infrastructures de Raoul Menendez en prévision de la cyberattaque. La SDC est finie, secrétaire Petraeus. Les États-Unis et la Chine, unissant leurs forces, marquent l'avènement d'une nouvelle ère. Une ère dont vous pouvez être fier, amiral. Amiral. Secrétaire. La présidente vous transmet ses remerciements, amiral. Pour ces âmes qui ont peiné, œuvré et lutté avec moi. Une noble tâche reste encore à accomplir. Tirez cet enfoiré de mon point d'envol. Avec plaisir. On le tient. C'est bien que vous refusiez de parler. On peut prendre notre temps. Je ne parlerai qu'à David Mason. Amenez-le-moi, et je lui dirai tout. Identité, Mason, David. Scan rétinien confirmé. Faites de votre mieux. Je serai sur le pont. Je suis plus un gamin maintenant. Mais vous pouvez essayer de me refaire le même coup. L'opulence est un péché dont nous payons tous le prix. Espèce de sale petit con prétentieux, vous pouvez pas vous exprimer clairement ! Ils me l'ont enlevé. Tu comprends ce que ça fait maintenant ? Hein ? Ils ont brûlé l'entrepôt. Pour toucher la prime d'assurance, $11,000, c'est tout ce que sa vie valait à leurs yeux. Elle était mon unique raison de vivre. Et la tienne, David. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moi? Einstein a dit un jour que l'anarchie économique du capitalisme était la vraie source du mal. Ton père
et ses congénères. Mon prix, Josefina. Wes, ton papa, c'est un moelleton. Ton père est mort. Et tous les autres. Fini. Je vous écoute, Amiral Briggs. Nous avons un problème. Un avion commercial vient de pénétrer l'espace aérien de l'Obama. Attendez. Ce sont des oiseaux. S'inflige un lot de loi arbitraire sur une race de sauvages. On est attaqué. Il y en a des centaines. La caméra de la salle d'interrogatoire vient d'être coupée. Sécurisez Menendez et retrouvez-moi sur le pont. S'il fait un geste, tu le butes. J'ai... L'Obama est attaqué! Personne ne doit quitter cette terre! Tu sais que je ne te tuerai pas. Mais si tu ne lâches pas ton arme, je tue ton ami. Je te donne 5 secondes. Mais comment est-ce que... Mettez-les! Tournez-vous! Désaffilé. Quoi? Les mercenaires sont arrivés en jet wing pour lancer une attaque surprise sur l'Obama. Ils étaient camouflés. Les canons en ont abattu qu'une poignée. Ils sont en train de nous massacrer. On a besoin des gros calibres de l'arsenal. Les mercenaires ont massacré les hommes qui gardaient Menendez. Prends ce que tu veux. Menendez n'a pas pu faire ça tout seul. Il a sûrement des hommes parmi nous. Pour l'instant, le plus important, c'est de reprendre le contrôle de l'Obama. Avancer. Merde, Amiral Wing,
en avance. Il faut qu'on le retrouve. Allez à la salle de surveillance. Les techniciens sont en train de rétablir l'image. J'y vais tout de suite. Bloquer la porte. Pour demander avec les caméras.
devra avoir terminé dans quelques minutes. Taillez une ouverture dans ce mur, tout de suite! J'ai perdu le contact avec l'amiral. Il est peut-être en danger. Les caméras, elles sont rétablies. Ok, lancez le scan d'identification sur le vaisseau. Il faut qu'on trouve Menendez. Recherche. Données des caméras de surveillance. On prend de gros risques en relançant le système. Il y a peu de chances pour que ça redémarre. Je préfère le perdre que de le laisser détruire la flotte. Faites-le! J'ai besoin de votre code d'accès, amiral. Briggs! Menendez est devant la salle des serveurs! Ne coupez pas le système! Menendez pourra rentrer dès que la sécurité sera désactivée! Briggs! Menendez. Briggs est en train de redémarrer le système. Il espère reprendre le contrôle des défenses automatiques. Et Salazar? En position, avec Briggs. Amiral Briggs? Un homme bien, Menendez. Ne le tuez pas. Tirez-lui dans la jambe. Il est vivant. Merci, Raoul. Si nous atteignons notre but, l'amiral Briggs comprendra pourquoi j'ai décidé de l'épargner. C'est total au réseau satellite qui contrôle les drones américains. Il faut en informer le Patagone. Salazar nous a trahis. Tout est suspect.
soyez prudent. Allez à l'infirmerie. Très bien. Bonne Mettez chance. Les techniciens là-dessus au plus vite. On doit trouver d'où vient la transmission qui contrôle les satellites. Qu'est-ce qui s'est passé? Salazar. Il nous a trahis. Il était de mèche avec Menendez. Comment il a pu faire ça? Putain! C'était un des nôtres! Section, ici l'équipe Epsilon. On a capturé Salazar, il s'est rendu sans faire d'histoire. Vous êtes où? Dans le hangar 2. J'arrive tout de suite. Et Menendez? Il a pris un de nos chasseurs. On l'a vraiment raté de peu. Prête à lâcher nos drones sur les villes du monde entier.